avec Los TV. Los TV. Eh bien, nous sommes actuellement sur le parking du Stade Bollaert à l'occasion de la 38e journée de championnat de Ligue 2. Et d'ailleurs, ce soir, le dernier match de Ligue 2 ici à Lens. Et donc, on attend beaucoup de monde, forcément, puisque ce soir, nous allons jouer à guichet fermé. Et ce soir, j'aurais souhaité vous présenter une section qui a fait le déplacement, puisque c'est la section des Ch'tis Alpins. Alors, les Ch'tis Alpins, vous êtes là ? Alors, je me trouve ici avec David, le vice-président de la section. David, ça va ce soir ? Ah, très bien. On est au stade, franchement, c'est super. Je remercie déjà vous. Et je remercie tous les supporters qui sont venus d'Annecy pour supporter le club de Lens. Et j'espère que ce soir, il y aura la victoire. Allez ! On y croit ! Allez ! Alors, les Ch'tis Alpins, vous avez un siège social qui se trouve où alors ? À Annecy. À Annecy, et la section donc, des Ch'tis Alpins organise des déplacements comme ça régulièrement ? Ou quand Lens se déplace, vous essayez d'organiser des déplacements ? Ben, cette année, on a fait quelques déplacements. On a fait Dijon. Malheureusement, après, avec les interdictions de stade, on a fait aussi Auxerre. Et après, malheureusement, avec les interdictions de stade, on n'a pas fait grand-chose. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à Annecy, parce qu'on est quand même à 700-800 km, voire plus, combien y a de kilomètres entre Lens et Annecy ? On va dire à peu près 730 km. Alors qu'est-ce qui fait que entre Lens et Annecy, 730 km, qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle ferveur pour le Stade Bollaert et le Racing Club de Lens à Annecy et qu'il y a un club de supporters, les Ch'tis Alpins ? Alors tout simplement, aujourd'hui, on est tous des Ch'tis. On est des gens qui sont du Nord, qui ont trouvé du travail, qui ont pour plusieurs différences, mais on est toujours Lensois et on supportera Lens jusqu'au bout, mais on est derrière Lens et on y croit. Malheureusement, cette année, c'est pas la bonne année, mais on est toujours derrière et on est à fond sur le RC Lens et allez, on y croit. Alors, je vais avancer un petit peu là pour interviewer un supporter parce que c'est la première fois qu'il vient à Lens. À Bollaert. Oui, première fois. Oui. Votre prénom c'est ? Jean-Laurent. Alors Jean-Laurent, la première fois que vous venez à Bollaert, donc là on est bien avant le match, hein, dans l'après-midi, donc vous avez vu le stade de vos propres yeux. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Rien, je peux pas. Ça c'est de l'extérieur. Joli. Super joli, oui. Un joli stade. Et vous aussi, vous êtes originaire de la région Nord-Pas-de-Calais ? Non, 59, le Nord. Le Nord. C'est un ancien lieu. Ouais. Voilà, donc, moi je voudrais, j'aurais envie qu'on termine ce reportage par l'hymne du Racing Club de Lens que vous devez connaître, il s'agit bien sûr des Corons. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre ensemble les Corons ? Ouais. Allons-y. Oh. Non.